Et salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Maman pas organisée. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, je reviens avec encore un haul action. Décidément, ce magasin aura raison de moi. Du coup, à la base, c'était pas prévu que j'y aille. Mon mari voulait y aller pour acheter un truc de bricolage. Moi, je devais rien acheter. Et puis. Voilà, en tout j'en ai eu pour 166 euros qui n'étaient pas prévus dans mon budget. Je vais arrêter cette action-là, franchement. Bon, je vais arrêter de parler. J'espère que vous les amis, ça va bien. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai acheté. Donc, je vais vous montrer un peu dans le désordre ce qui me vient en début. Donc, il y a ces madeleines. Je sais qu'il y a trois paquets, mais il y en a déjà un ou deux d'entamés déjà. J'ai trouvé cette petite boîte à fromage. Alors celle-ci, franchement, c'est parfait. Je ne sais même pas si elle va dans le frigo. C'est ensemble de planches à fromage. Moi, je vais la mettre dans le frigo parce que le camembert et tout, qu'est-ce que ça pue? Du coup, je le mettrai dans le frigo, moi. Et elle est à 4 euros. 3,99 euros. Donc ça va. Ah bah voilà, un deuxième. Donc celles-ci, elles sont à 99 centimes. J'ai racheté encore des gobelets. Celui-ci, il n'y en a pas beaucoup, il y en a 30. Moi, d'habitude, je prends les rouges. Il y en a 60 à l'intérieur. Mais bon, c'est pas grave. Ah bah là, c'est le ticket, ouais. 166 euros et 11 centimes. J'ai pris des piles comme ça. Vous savez qui va dans les montres. Moi, c'est plus pour ma balance pour peser, là. Il y a une canette. Il y a des chewing-gums. Je vous dis, mon mari, quand il y va, il achète n'importe quoi. Bon, moi aussi, j'ai acheté des trucs. Hein. Du coup, j'ai acheté la petite brosse. Je la vois passer partout sur TikTok. Je vais vous la montrer. Celle-ci. Celle qui vous permet de vous masser le cuir chevelu. Donc, celle-ci, je pense l'utiliser quand je vais faire mes masques, mes soins pour bien qu'ils pénètrent dans le cuir chevelu. Donc, voilà. J'ai pris cette sauce blanche. J'ai jamais goûté, donc je vais la tester. Des blocs WC, ça je sais que j'en ai pris pas mal. Ah ben voilà, encore des verts, celle-ci c'est les bleus. Pareil. Encore un bloc WC. Je dis, mais il n'y a vraiment que des conneries dedans. Vous vous attendez pas à des trucs. Il y a ça. Les petits snacks là, hot mix. Bon, moi je les aime pas parce qu'ils sont très piquants. Donc, j'aime pas le piquant. Donc la base, je ne vous les présente plus. Celle-ci. C'est ça, olive, cacahuète et compagnie. Ouais, j'ai dit ça, c'est pas mes achats, ça. Hein. Des cuillères en plastique. C'est en plastique dur. Hein. Il y a marqué quoi? Peut-être utilisé plusieurs fois. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est quoi? Un gel douche pour homme. Mène expert là. Ça se voit que c'est pas mes achats, les amis. Encore un deuxième. Encore un deuxième. Je viens de me rendre compte qu'il a pris tout en double. Ça, c'est moi. Les wraps, les grappes. J'en ai pris deux. Oh, c'est lourd. Il m'a pris des gels douche alors que j'en ai acheté plein, normal. Bon, gel douche Tahiti. Moi, je les prends à normal parce qu'ils sont vraiment pas chers. Alors, il a pris ses barres. C'est quoi ça? Caramel, cacahuète. Ouais, c'est cassé. Des Kit Kat. Je crois que c'est le sac gourmandise. Encore la même chose. Elles se sont toutes cassées. Oh là là. La même chose. Mais ça, je sais pas ce que c'est. Bon, bref. Surtout que c'est pas moi qui vais les manger. J'ai pris les lingettes nettoyantes pour toilettes. Et elles se jettent dans les toilettes, celles-ci, comparées à celles des enfants. On a repris une deuxième. Oh là là, je vais le tuer. En fait, moi, j'étais à la caisse, mais je n'ai pas capté. Encore des chewing-gums. Donc, pourquoi il a pris la grosse boîte? Vous avez vu, c'est pas mes achats, ça. Ah, ça, c'est pas mes achats. Moi, j'aurais pris un bloc cuvette. Il en a pris quatre. J'ai l'impression que je redécouvre les. J'avais pas vu qu'il y avait autant. Cette canette. Tropicale.
un déodorant pour homme. Enfin bref, ça c'est moi qui ai acheté. C'est du nougat au chocolat, j'ai trouvé ça. Je me suis dit j'avais trop envie de goûter. Donc, je vous en dirai des nouvelles. Ça à la base, ça c'est à moi, ça c'est mes produits, vous les reconnaissez. Ça, je m'en lasse plus. J'utilise même plus les perles bleues. Déjà, je ne les trouve plus, mais je mets que ça. Alors, dès que j'en trouve, j'en prends. Donc, j'en ai trouvé, j'en ai laissé, je suis gentille. Hein. J'en ai pris qu'un seul. Encore une barre. Une deuxième. J'ai racheté des piles. Voilà. Lion blanc, à mes goûters, à goûter. Lion caramel blond, je sais pas. Encore une boîte de chewing-gum. Aïe. Je préfère me taire. Ça, c'est quoi? C'est quoi ça? Un gel douche. Mais j'en ai plein des gels douche. Pourquoi il a acheté tout ça? En fait, à la caisse, je calculais pas. Moi, je regardais juste le montant. Alors, j'ai pris ça. C'est des trucs à gratter pour les enfants. Donc, j'en ai pris trois, vu que j'ai trois enfants. En fait, ils grattent et c'est des trucs holographiques. Donc, voilà, ça va leur faire passer un peu le temps. Donc, lui, voilà, il a pris. C'est une... comment on appelle ça? Une scie sauteuse. Ouais, voilà. Alors, je sais pas ce que ça vaut, les outils à action. Moi, j'ai juste le pistolet à colle. Non, il a acheté beaucoup d'outils à action. Non, ça va. Ça va, ça va. Bon, là, ça va être... non, même pas mes achats. Moi, j'ai rien acheté, en fait. J'ai acheté ce rouleau, vous savez, adhésif. Du coup, celui-ci, j'ai pris cet effet-là. Et je voudrais le coller sur le bord de ma salle de bain. Vous savez, la planche qui... truc, la baignoire, là. Eh ben, je voudrais le coller pour donner... parce que le blanc, il m'a saoulé. Il est dans un mauvais état. Regardez ce que j'ai trouvé. Moi, j'étais dégoûtée. Elles sont en blanche et en noir. Il restait une seule noire. Donc, moi, vu que je la voulais noire, ça marche avec pile. C'est une ampoule à LED. Et regardez, on allume. Et elle est à 3,99€. Elle est vraiment pas chère. Donc, dès que j'en retrouverai une noire, je vais la mettre sur ma table de chevet. Donc voilà, ça c'est un de mes achats, hein, vous connaissez bien sûr. Je sais pas ce qu'il a pris, c'est un truc à souder. Voilà. Aïe, attendez, non, non. Vous voyez, c'est celui-là que j'ai pris moi, pour enfant. J'en ai pris trois, et lui il fait quoi ici? C'est pas moi ça. Ça, ça doit être lui qui a dû le mettre dans le... parce que voilà, c'est pour ça que je me dis c'était bizarre. Je les avais pas pris comme ça. Ça, c'est pour les enfants, c'est avec des dessins. Bon, bref, ça sera pour moi. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. J'ai pris ces tablettes. Il y en a trois à l'intérieur. C'est pour nettoyer le lave-vaisselle. Alors, je ne les trouvais jamais. Et là, je me suis dit, bon, je vais essayer pour nettoyer le lave-vaisselle. Ça, c'est quoi? Smartphone pour la voiture, mais bon, je sais pas pourquoi il a pris alors que j'en ai déjà un. Oh là là, il en a pris deux, à croire que j'ai dit voiture. Non, j'en ai qu'une, deux voitures, il en a pris deux. Pourquoi il a fait ça? Là, je suis en train de m'énerver, en fait. Les lingettes, on avait pris des papiers. Bien sûr, la base, les Toblerone aussi. J'ai jamais goûté le blanc, à goûter. Bon, lui, on le connaît tous, le jaune. Je me suis pris une tasse transparente, comme ceci. Je l'ai trouvée trop belle. Donc, je me suis dit, celle-ci, elle doit être pour moi. Ça, c'est quoi? Il a pris ce support-là, alors que je lui avais dit que j'en avais acheté un sur AliExpress. Mais il a fait comme s'il ne m'avait pas entendu. Donc, voilà, c'est des ports USB. Avec USB. Et pour finir, j'ai pris ces box là, comme ça, pour mettre, moi je vais mettre les tranches de fromage et les blancs poulets et tout ça là dedans. Donc il y a trois boîtes à l'intérieur pour aller dans le frigo.
Quand je vous dis que c'est le haul de conneries, c'est le haul de conneries. J'ai acheté la base, le papier toilette. Bon, il n'y avait plus le paquet que je prends, le violet, là. Donc, du coup, j'ai pris celui-ci. Et après, il faut dire ce qui est action reste les moins chers en termes de papier toilette, essuie-tout et tout ça. Parce que dans les magasins, c'est bon. C'est du papier toilette, c'est du papier. Ils abusent. Et pour finir, pour c'est mon troisième achat de ça, j'ai pris celle-ci. La box, comme ça, là. Voilà. C'est mon troisième achat. Ça fait la troisième que j'achète. Et franchement, c'est trop pratique pour le rangement. Vous pouvez mettre vos couettes. Il y en a un où j'ai mis toutes les chaussures. Il y en a un où j'ai mis tous les plaids, coussins et tout ça. Et celui-ci, je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais mettre. Je vais cacher tout mon foutoir là-dedans. Et vu que je vais changer l'emplacement de mon salon, il ira sur le mur. Voilà, tout simplement. Donc, voilà les amis. Ma vidéo se termine ici. Oula, c'est quoi ça? Comme je vous ai dit, ça se voit que c'est pas mes achats, parce que je n'aurais jamais acheté tout ça. Et que c'est, j'allais dire un gros mot, j'allais dire c'est O-2-N-E-I-E-R-I-E-S, plutôt. 166 euros. Ah non, ah non. Franchement, le plus cher que j'ai acheté, c'est ça. Il était à 18, moins de 20 euros, il est à 18,95. Et les outils, quoi. Après, c'est 99 centimes, 2, 3 euros. Mais en fait, ça chiffre vite. Donc, je vais arrêter de parler. J'ai dû vous saouler ce haul. Il a ni queue ni tête. Il est trop bizarre. C'est pas mon haul de d'habitude. Donc, les amis, je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!